Okay, your turn. Aujourd'hui ramène le 207e anniversaire de l'indépendance du Venezuela. C'est une date qui nous est chère, nous, Haïtiens, étant étroitement associés en partie à cet événement comme deuxième pays ayant eu son indépendance en Amérique après les États-Unis. En effet, ce fut au tour d'Haïti de gagner son indépendance. Mais cette indépendance a pris une allure spéciale à travers le monde et à travers l'histoire. Il est aujourd'hui paradoxal que deux pays ayant eu la primauté de l'indépendance dans cette mondiale et que nous autres, nous sommes à la traîne. C'est là, je crois, une leçon que l'histoire et les historiens, sur laquelle, je dirais, cette leçon-là, sur laquelle les historiens devront se pencher un peu plus en abondance afin de comprendre les profondes raisons qui ont fait qu'un peuple qui était né de l'esclavage continue encore à traîner. Ce fut ce qui donne encore à cette indépendance de notre pays, justement, sa force et sa raison d'être. Aujourd'hui, nous sommes là devant vous pour commémorer une indépendance non moins importante, celle de la République bolivarienne du Venezuela. En effet, avant Simon Bolivar, nous avons eu la visite de Miranda et tous qui ont compris la geste héroïque qu'Haïti a causé face au monde et sont venus trouver le réconfort et la force et l'énergie qu'il fallait pour libérer leur pays. Et donc, c'est avec une grande satisfaction que ce passage en Haïti a pu déboucher sur l'indépendance de ces pays. Et partout où nous passons, en Amérique latine, je crois que nous trouvons ce réconfort auprès de beaucoup de pays que le grand Simon Bolivar à qui Simon Bolivar a donné l'indépendance. Du Venezuela, en passant à l'Équateur, passant à la Colombie et à la Bolivie. Donc nous trouvons ce réconfort. Donc c'est pour nous un immense plaisir, une fois de plus, renouveler, de dire bonne fête à la République bolivarienne du Venezuela. Mais aussi, je voudrais aussi m'appesantir sur un aspect très important du fait qu'Haïti a une doctrine diplomatique qui postule d'abord l'autodétermination des peuples à s'occuper de leur avenir. Et ceci est une constante de l'histoire diplomatique de notre pays. C'est ce qui nous était présent à côté aux Nations Unies, à côté d'autres pays qui ont lutté pour la libération de l'Afrique du Sud contre l'apartheid. C'est ce qui nous a valu de nous battre pour la décolonisation de l'Afrique. Toutes ces formes ignominieuses d'exploitation et que nous avons toujours combattu et que nous combattrons toujours avec nos faibles moyens à travers l'histoire. Donc, mes chers amis, monsieur l'ambassadeur, chers représentants des pays amis, et je suis une fois de plus très fier de représenter le gouvernement d'Haïti à cette commémoration d'une fête d'un grand homme, d'un grand pays. C'est en ces termes que je vous remercie
au nom du président de la République, au nom du Premier ministre et du gouvernement tout entier, en un mot, au nom du peuple haïtien. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de la Défense, représentante del gobierno nacional de Haití, las compañeras de la embajada de Cuba y de Panamá, chers collègues, l'ambassadrice représentante de l'ambassade du Panama et de Cuba, al representante del MUFANAT orquestando las instalaciones, au représentant du musée du Panama, todos los compañeros de la prensa, amigos, los señores de la banda, chers amis de la presse, du canton, siempre está consecuente con avec le Venezuela. Hoy, 5 de julio, aujourd'hui, 5 juillet, en 1811, 207 años después, 207 ans après. Quiero agradecerles que hoy en esta fecha me acompañen en este emotivo acto. Je vous remercie de m'accompagner aujourd'hui dans cet acte. Empezaré diciendo ciertamente que Simón Bolívar fue el primer hombre de todo el continente que vislumbró y alertó acerca de la amenaza que el imperio norteamericano ya representaba para el futuro de nuestros pueblos. Je commencerai en disant que, assurément, Simón Bolívar a été le premier hombre sur tout le continent qui avait discerné et alerté au sujet de la menace qui représentait déjà l'empire nord-américain pour l'avenir de nos peuples. Es impresionante cómo Simón Bolívar vislumbró aquello a la altura de un profeta. Il est impressionnant de voir comment Bolívar avait prédit cela comme un prophète. El año 2018 significa para la historia nuestra patria. L'année 2018 signifie pour l'histoire de notre patrie. No solo la celebración y conmemoración de los 207 años de ser una nación independiente. Non seulement la célébration et la commémoration des 200 ans d'être d'une nation indépendante, sino la réaffirmation de notre peuple de luchar hasta vencer. Mais aussi la détermination de notre peuple de combattre jusqu'à la victoire. Igualmente, en el libro existen unas palabras clave. Resumen, porque las dos grandes revoluciones del Caribe, Haití y Cuba, fueron condenadas al ostracismo por sus contemporáneos y se presentan en el discurso de la historia como escarmiento más que como gestas ejemplares. En resumen, pourquoi les deux grandes révolutions des Caraïbes, Haïti et Cuba, ont-elles été condamnées à l'air? Estas y otras preguntas relacionadas se contestan examinando tres aristas de argumentación. Primero, la revolución como momento crítico de transición. La sustentabilidad económica como reto central de las revoluciones. Y la revolución como utopía frente a la ontología del Caribe como región subordinada. Et la révolution comme utopie face à l'ontologie du Caraïbe comme région subordonnée du Caraïbe. Al gobierno y al pueblo haitiano, nuestro agradecimiento y apoyo dado a la solidaridad demostrada recientemente ante una solicitud de violación de la soberanía e independencia de los pueblos, reconociendo la unidad de los pueblos haitianos y venezolanos. Suite d'une tentative de violation de la souveraineté et de l'indépendance des peuples. Nous reconnaissons l'unité des peuples haïtiens et vénézuéliens. Unidad que nunca será quebrantada. Une union qui ne sera jamais brisée. M'tendez. Peut-être même j'entendais, l'autre monde entendait. Il y a des gens qui disent parce que rumeur a couru, gaz monté qui fait monde et affaire. Il y a des gens qui ont organisé
des bagailles la troublaille. Nous même nous compte ça. Et ben ces populations pas aucun intérêt dans ça. Pour aller entrer dans aucun mouvement, l'obéi, parce que ça pas payer à aucun côté. Moun k'ap di moun al fè genre de bagay sa yo, ou bien moun ki en bas a et alimenter li, moun sa gen problème pou acheter gaz. Yo pa gen problème gaz, c'est pas problème gaz ki et pas gaz ki problème yo. Mais le gen situation créée côté pays a vin instable, pa ganyen, comme si la dou tout bagay dans la rue. Ou on samedi comme si pa ganyen business bloqué, ou bien c'est économie pays a tout a progressé parce que investissement pas qu'a fait ou bien commerce qui t'a marché ou bien entreprise t'a marché qui a obligé et camper ou bien ralenti nèg la camper là l'a suivre il pas courir vite avancer pour qu'il ça pas contre ça pas passer mais tout ça c'est pas pour peuple non bon attention hein? Pas grand grain monde qui dit ça bon pour peuple non l'autre vient trouver dans situation ça l'autre dans petit job c'est risque perdre du job là oui ou bien ou sous pas de bon job et que ou moun ki ka vin investi là, li di bal investi ou montant là pour créer un job kou d'occasion. Eh bien, c'est ou gen c'est risque ou courir pour pas jwenn un job. Mais nous jou si gon décision qui prend pour sou Gaza, li pa en cachette moi ça. Donc nous vle organiser toute une série de cérémonies de activités qui pour rendre hommage à Nemours Jean-Baptiste. Nous avons diverses activités qu'a fait comme nous connaissons. D'abord, il y a un bus Nemours Jean-Baptiste qui a sur place Sainte-Anne à partir du 26 juillet. Et 26 juillet tout, a gagné un concert compas direct sur place Jean-Baptiste. Et que c'est une organisation qui a travaillé tout pour pérenniser mémoire de Nemours Jean-Baptiste, et je pense que c'est tout haïtien qui gagnait rôle ça pour jouer. Nous avons un calendrier là, plus ou moins. Nous gagnons le 22 juillet, nous avons une projection sur l'immortel de Nemours Jean-Baptiste, la fête dans le cœur Oxygenti. C'est un documentaire, un film documentaire avec Ed Zaminio dans Yera. Étudiants qui eux-mêmes qui facilitent ça et pour une jeune film ça qui va projeter sur kiosque Oxygenti. Nous le 24 juillet n'a bien une conférence biographie de Nemours Jean-Baptiste. C'est la fête dans Yera dans la fleur du chêne. N'a bien une conférence tout avec plusieurs gros connaisseurs donc on part toujours 24 juillet 2018 là. M'bako bejo baynoyo, mais yon nan gros m'da di présentateur nan moment sa, c'est pas le Mario de Volsi, mais ap gen plusieurs lot connaisseurs kompa kap présent tout sur panel là. Genye 25 juillet conférence sur l'œuvre de Nemours Jean-Baptiste, la fête dans Ciné Triomphe, et genye un bon connaisseur kap la nap geta pou nou bon liste non, qui pas encore fin complet, mais qui nous gagne déjà 5 intervenants. Et nous avons l'autre qui a venu. Le 26 juillet, c'est cérémonie de dévoilement buste Nemours Jean-Baptiste sous place Sainte-Anne. Nous avons tout une cérémonie de côté de by distinction à des mouns qui marquent compas. Et entre-temps, nous avons pour nous au courant de ça, parce que nous communiqué avec sortir et nous parlé avec l'autorité au plus haut niveau pour que le jour qui c'est 26 juillet pour le déclarer journée nationale du compas direct. Donc pour que dans toutes les médias, dans toutes les radios, c'est compas seulement joue ça qui jouait dans le pays d'Haïti. Bien le 28 juillet, nous gagnons, et le 26 juillet, comme nous connaissons, nous avons un gros concert sur la Sainte-Anne avec différents, avec des groupes, des artistes, qui, y compris groupe qui va jouer musique de Nemours Jean-Baptiste, mais tout, et des anciens de Nemours Jean-Baptiste qui est capable avec nous, et l'autre groupe compas, qui c'est héritage que Nemours Jean-Baptiste qui était pour nous là. Nous avons gagné le 28, une autre soirée, qui a gagné plusieurs groupes là-dedans. Y compris des classes tout qui a fait un événement particulier
toujours lui-même l'a commencé dans début août là, parce que monsieur ça c'est le ça a rentré tout avec tout jazza, donc il proposé pour faire dans début août là, mais le 28 n'a pas gagné un autre événement avec plusieurs groupes qui a participé comme cocktail pour nous clôturer moi ne moi Jean-Baptiste là l'homme dit culturel, mais nous disons que gagné un spectacle une soirée classe tout a offert spécialement dans le cadre de la commémoration 100 ans de mon Jean-Baptiste. Nous avons une fondation avec nous là, qui a travaillé de très près ensemble avec nous pour réaliser Jeunesse. Il y a un buste de mon Jean-Baptiste là, qui a travaillé sur lui ensemble avec Enards et l'autre artiste qui concerné pour mettre un bel buste de mon Jean-Baptiste sous place Sainte-Anne. Et nous avons annoncé déjà qu'il y a un fonds de mon Jean-Baptiste qui pourra le mettre en place toujours pendant le mois de juillet. Ça, avant le mois de juillet a fini, nous avons une date de cérémonie, ça a fait lui-même particulièrement, nous avons un fonds de mon Jean-Baptiste. Le fonds de mon Jean-Baptiste, là, que le ministère de la Culture a contribué là-dedans, c'est, et nous avons invité tout l'autre monde à contribuer là-dedans, tout jazz qui est capable d'avoir une contribution, c'est bienvenu. Tout le monde qui a dansé compas en Haïti ou dans la diaspora qui voulait contribuer dans le fonds de mon Jean-Baptiste. Ça d'encourager au fait ça, donc c'est et tout l'autre monde, l'autre entité dans l'état, parce que compas c'est héritage pays, donc le compas joué à travers le monde c'est drapeau haïtien monté. Donc nous invitons tous à contribuer pour que fondation de Jean-Baptiste, famille de Jean-Baptiste, tout parce que c'est pas l'homme son créateur, et c'est vrai, nous pas dit son droit de payer parce que normalement nous avons droit ça, mais nous dit c'est une reconnaissance que nous avons fait. Nous apprécier l'héritage que nous, mon Jean-Baptiste, quitte pour nous. Et en retour, by family, nous sommes capables de faire un geste avec la fondation, hein, etc. Et depuis 2 février, nous avons initié, nous avons en hommage, nous avons organisé un messe qui aime, en hommage de mon Jean-Baptiste, qui était suivi d'un calendrier côté nous avons réalisé un peu l'activité dans le Matissa. Nous avons ça qui a passé dans le Matissa, et que l'école là, on a un petit problème parce que. Et si mon école, parce que nous avons un bien spécifique. Et Michel Panneau, c'est vénérer mémoire de mon Jean-Baptiste, en dramatisant à travers le pays, même à travers l'international. Et nous avons une équipe qui a formé en dramatisant. Et ça fait l'entité qui est ministre Garcia Del. Pour le passer inaperçu. Nous avons dit que M. Hirayo, qui nous font partenariat entre nous pour annoncer ça pour nous venir mémoire de mon Jean-Baptiste grandement. Femme dit nous, dans le calendrier et ministre là-bas, nous avons Simon l'école de musique de Jean-Baptiste qui habite du côté de Matissan, côté que nous connaissons l'idée, c'est faire de mon Jean-Baptiste grandir dans chaque petit monde de Matissan pour nous combattre violence, délinquance. Et c'est pour nous venir mémoire de mon Jean-Baptiste. C'est ce qui est année ça, nous connaissons année centenaire. Pour centenaire, c'est les mêmes gens. Au centenaire, 100 ans. Et bien n'importe qui va vivre 100 ans. Parce que année ça, c'est ça qui fait nous, équipe de travail d'AHB, nous autres de la Fondation de mon Jean-Baptiste, accompagnés de ministre Culture et les étudiants de l'UAUSES, qui est année et festival du centenaire en mémoire de mon Jean-Baptiste. Savoir est-ce qu'il s'agit d'une loi nouvelle. Parce que nous-mêmes, l'un fois analyser en profondeur, puisque à chaque fois nous faisons référence à Code du commerce, nous faisons référence à et Code civil, là, ça t'a montré que c'est beaucoup, ça beaucoup plus un amendement de Code du commerce, là, qu'il t'a une loi nouvelle. Donc nous besoin est-ce que son loi nouvelle, est-ce que et titre là en fonction de qui ça nous bail loi titre ça qui c'est pour aider loi sur le bailage professionnel, et deuxièmement pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on fait référence au code du commerce et que c'est des articles du code civil que nous mettons en exergue maintenant qui traite cette question, nous n'allons pas vous retenir en haleine,
Donc sorti partout que film va le passer. Mais sauf que nous avons besoin plus de matière pour nous quand censé défendre le projet de loi ça par devant l'Assemblée. Parce que là où on assemblée, ce n'est pas toujours samedi après le passé, ce n'est pas toujours ça et collègue lundi après le passé. Mais c'est après le gagnant débat très houleux. Maintenant, c'est l'argument que nous allons présenter qui va permettre nous, eh bien, maintenant, défendre le projet de loi ça et faire le passer avec plus de facilité dans chaque collègue lundi. Ce que j'ai obtenu dans cette séance-là, c'est que nous avons gagné des articles cités dans le projet de loi. Tout le monde est d'accord, c'était un projet de loi eh bien, d'importance. Ok? Bon. Mais nous avons une série d'articles, peut-être qui sont dans ou bien code civil ou bien code de commerce là, qui cité. Et comme si dans le projet de loi, même c'est l'ensemble de ces articles qui viennent dans le projet de loi ça. Alors nous-mêmes, nous avons posé cette question. Pour qui ça, il n'y a pas de parler de modification de certains articles du code de commerce au lieu que vous venez avec titre ça, c'est le projet de loi sur les bains à usage professionnel. A les premiers problèmes qui ont été posés. Bon, là, nous étions anti-gens, on a dit perplexe, parce qu'effectivement, le regard de ministre là et ensuite mettre Bruce là qui s'en divisé peut-être cerveau projet de loi ça et ministre là qui s'en sort cerveau projet de loi ça tout nous prenons nous plus d'informations et ensuite pour mardi nous censé voter projet de loi ça pour nous ouvrir à la Chambre des députés immédiatement pour le voter pour nous garder si nous avons gagné projet de loi ça qui vient de donner une loi effectivement parce que nous estimons que le projet de loi ça son projet de loi d'importance pour le pays. On a assisté à la vétusté de certains immeubles et qui en certains quartiers que nous avons gagné qui étaient bien florissants dans le temps. Et de ce quoi, compte tenu de paquet de contraintes qui étaient liées à la loi, ou qu'on aime ou loi, il n'est pas immuable, il est appelé au que d'un peut subir des modifications en fonction de la réalité que nous vivons. C'est dans le contexte, je veux dire, noter l'ensemble pour nous améliorer le climat légal des affaires. Première question, le bas à usage professionnel. Tant qu'on non les définit ni bas à usage professionnel, là, c'est il n'a pas appliqué spécialement au beau qui portait sur les activités artisanales, les activités commerciales, les activités industrielles ou professionnelles. Les activités commerciales, c'est l'objectif, c'est le cadre de réforme du droit des affaires là, que l'administration a décidé. Donc, comme nous connaissons, le gouvernement a augmenté le budget à de près de 22% de 144 milliards à 76 milliards de gouttes, donc c'est gâteau à kilomètre. Comment le gouvernement compte entrer l'argent ça? De trois façons. Ressources domestiques, recettes internes avec douane, et les passés, les bras des dons et financement. Donc, dans 76 milliards de gouttes, le gouvernement espérait entrer 125 milliards de gouttes. Nous avons le graphe à l'heure, un montant assez important. Deuxièmement, c'est don, 30,3 milliards de gouttes et financement, 21 milliards de gouttes. Bon changement structurel qui fait dans l'économie haïtienne, nous sommes capables de dire pendant trois dernières années. L'économie haïtienne n'a pas dépend de l'international, donc pour faire budget, il vient dépendre beaucoup plus de tête balle. Et ça, c'est important, ça veut dire que Haïtien mettait plus comme l'homme et l'État. Donc même gens que don, ou supposé bien gérer, mais là encore, l'on paye aussi pauvre, côté que impôt indirect, supérieur à impôt direct, donc il y a plus d'efforts que contribuables haïtiens ont fait, donc pour jeune picaler encore, picler pour assurer que l'argent est bien géré. Donc ça représente plus de 70%. Sur chaque 100 gouttes qui a exécuté dans le budget, 70, c'est nous-mêmes qui mettons comme la sous table. En deuxième position avec don, 30 milliards de gouttes qui ont augmenté par rapport à l'année dernière, nous passons de 24 à 30, ça représente 17,2%. Et troisième partie qui est tout aussi important, le financement.
Parce que financement, c'est dette qui mettait là-dedans. Tablier service, dette là 24 milliards de gouttes. En tant que nous avons endetté, nous connaissons que le service a augmenté beaucoup plus et nous avons moins de possibilités pour nous satisfaire les générations futures. Donc voilà comment l'État haïtien compte avoir les 76 milliards de gouttes. Si nous mettre à taux 70 gouttes, je ne vais pas exagérer. Pour l'année prochaine, ça va à peu près 2,5 milliards de dollars américains. Nous avons attiré l'attention. Jamaïque, le budget a commencé en avril. Jamaïque qui gagne 2,8 millions d'habitants et qui gagne 10 000 km². Jamaïque a un budget de 6 milliards de dollars américains, supporté en grande partie par les Jamaïcains. Le budget par nous est seulement 2,5 milliards de dollars américains. 6 milliards de dollars versus 2,5. Voilà les entrées. Comment Kobla va sortir Gounia là? Kobla va sortir à travers les dépenses courantes. Donc, ça gouvernement parle que l'argent que l'entrée là va sortir de deux façons, les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Nous avons montré une tendance qui gagne pendant 10 dernières années. L'argent que l'entrée là, nous avons plus tendance à manger que d'investir. Ça ne change pas dans ce budget. Puisque 90,1 milliards de gouttes, c'est ça que parle dans les dépenses courantes là, qui représentait plus de 50% de budget. Et pour les dépenses d'investissement, comme on dit tout à l'heure, mais on était en l'air toujours, la dépense courante là. Qui ça dépense courante là, il y a la masse salariale là. Masse salariale là, 45,6 milliards. Donc il passait de 35 l'année dernière à 45,6. Qui veut dire que 50,7% de dépenses de l'État couramment, eh bien, c'est l'emploi de l'État que nous payons avec. Je me rappelle le fameux arrêté du 29 mars 2017. Le journaliste politique dans salle l'a rappelé ça très bien lorsque le Premier ministre Lafontaine était de Ville-État. Regardez le chiffre ça bien. L'année dernière, le chiffre ça était 20,3 milliards de gouttes. L'année ça, dit 29,9 milliards de gouttes. Augmentation de acheter véhicules, téléphones, PDM, tout ça. L'État que. Le Premier ministre dit qu'il a continué avec arrêter ça, mais nous voyons qui changement fait. Et retenez ce chiffre ça parce que c'est important pour nous, nous allons comparer avec l'investissement que nous avons fait nous-mêmes dans le budget. Troisième partie, c'est le transfert et subvention. Tout ça que nous connaissons, que capable de poisson, au man qu'on va s'appuyer pas c'est moins, nous allons à 10,9 milliards de gouttes. Et nous allons retrouver avec intérêt d'être là, qui en est ça, atteint 3,6 milliards de gouttes. Donc les 90 milliards de gouttes de dépenses courantes, mais comment nous dépenser? Et si nous sommes capables d'attirer l'attention, si nous avons l'autre ratio qui est extrêmement important pour nous, si nous prenons le salaire là, nous disons l'office, 6100 gouttes que nous entrons dans l'État, ça nous fait avec nous payer employés avec bien service. Donc, sur chaque 100 gouttes qui dépensent, beaucoup passent à l'investissement du tout, 61 à aller vers bien et service. Et si m'ajoute des transferts et subventions, hein, donc 70% de l'argent qu'on a pas entré pour aller vers les dépenses courantes. Donc, on y a une balle de dépenses d'investissement, dépenses de capital là. On descend pour regarder des programmes et projets, à savoir investissement que le gouvernement pourra réaliser, moi t'as capable de dire. Nous prenons le trésor là, trésor public là, chiffre là, il y a seulement 20,6 milliards de gouttes. Qui voulait dire que nous choisissons dépenser plus comme en biens et services, 29, que nous faisons programme pour investissement en un pays. Université de l'État d'Haïti, l'année dernière, était 1,6 milliards, il y a 2,1 milliards, et Académie créole passait de 35 à 50 millions de gouttes. Et on va regarder le pouvoir législatif, qui baisse, comme on était dit, de près de 8%, c'est 7 points de le passer à 6,5. Chambre des députés a joue une augmentation en le budget pour le bon travail réalisé, projet et proposition de loi votée, pas vrai. Il était 3,63 l'année dernière, il passait à 4,13 milliards. Mais attendez ça bien, dépenses personnelles dans la Chambre des députés, 2,3 milliards de gouttes pour payer l'ensemble du personnel député actif pour travailler, 2,3 milliards de gouttes. Bien et service. 721,4 millions de gouttes. Autres dépenses, 500 millions de gouttes. Ça coûte extrêmement cher, cette Chambre des députés. Et la masse salariale, nous, à quel niveau que lié. Donc, masse salariale, Chambre des députés, est supérieure à masse salariale toute l'Université de l'État d'Haïti. Actif professeur Gennadé. Et ça comptait l'autre membre qui a fait l'administration. On regarde le Sénat. Le Sénat est venu baisser lui-même.
3,57 l'année dernière. Alors, bon, je dis que chambre députée a budget augmenté de 13,8%. Sénat a vu une contraction de 33%. Il passait de 3,57 l'année dernière à 2,37. Dépenses personnelles au niveau du Sénat, 1,2 milliard de gourdes. Biens et services, 400 millions de gourdes. Autres dépenses, 332 millions de gourdes. Donc, je pense que c'est nécessaire pour mon travail, à partir de tendance qui gagne, j'ai une façon de dépenser yo, pour mettre plus l'ordre. Et pour me comprendre que chaque bout que je dépense, la dépense personnelle, la dépense et bien service, la haute dépense, sont gouttes qui peuvent aller pour bailler de l'eau, pour bailler service l'hôpital, pour bailler éducation en quelque sorte. Donc voilà les choix que nous réalisons. Au niveau du Sénat de la République, il faut qu'on ait fort qu'il fait. Il faut qu'on ait fort qu'il fait parce que moi, pas comprendre que au Sénat de la République, qui est des sénateurs qui ont touché, qui bien touché, il n'y a pas son mois pour payer, non. Donc, il y a des frais. Même que, il y a des sénateurs qui décidaient pas venir dans ces séance. Ça me fait mal. Ça fait me passer indigne dans l'eau. Et il y a plus d'autres sénateurs qui dévouent tout. Donc, un bon président, président Lambert, qui a fait qui voulait faire un travail de qualité dans le Sénat, qui a goumé. Mais, il y a comme impression qu'on force qui dépasse, qui fait le Sénat pas fonctionner. Il y a plus de monde qui prend la mauvaise habitude comme sénateur pour ne pas venir dans la séance. Et ils viennent dans la séance, ils viennent très très en retard, de sorte que l'office fait appel de appel lieu. Eh bien, ils sont obligés de renvoyer l'Assemblée. Moi, je pense que jeudi, son bagage a traversé depuis longtemps et qui a fait mal. Moi, je demande à tous les collègues, moi, je crois que nous sommes capables, nous avons une capacité, nous sommes forts. Proposition de loi que nous-mêmes, nous votons. Moi, je demande à nous, venons au Sénat, n'est-ce pas, chance-li, pour que législatif bien de la population. Ça, c'est un point important que jeudi, je devais faire. Et je dis, je supporté le pouvoir jusqu'à présent. Pour être un président autonome. Un président qui prend au pouvoir et qui a mené le pouvoir suivant Jean pour le mener. Dans le sens que, pas prendre pression pour que des alliés liés avec elle, qui fidèles avec elle, qui voulaient être collés avec lui, qui font travail, je dirais, de critique positive, pour que lui pas quitter un secteur qui autour de lui, n'est-ce pas, a influencé pour de jour en jour, l'a éloigné de alliés Lio, alors que l'opposition est en train de se durcir. On ne peut pas parler de éventuel renvoi du gouvernement quand nous gagnons la majorité qui campait des gouvernements et au dit n'est-ce pas, dans tous les réseaux sociaux, à travers la presse, qui ont campé des gouvernements. Si on campé des gouvernements, bah, comment que minorité a le gouvernement aller? Il est vrai que minorité a ses droits, ses devoirs, les droits, n'est-ce pas, s'il n'est pas satisfait de nos bagailles, les droits intervenus, faire interpellation, nous connaissons les droits ça, discuter, mener les problèmes devant la chambre, n'est-ce pas, faire pression sur le pouvoir, et c'est pour la santé de la démocratie aussi, n'est-ce pas? Ça, c'est droit, c'est devoir, son droit constitutionnel que les gens. Mais de là à dire que, de là à parler, d'éventuels renvois du gouvernement, moi je pense que ça c'est pas le cas. On ne peut même pas parler d'une éventualité de renvoi, parce que la majorité est unie dans un bloc et l'idée est le pouvoir. Bon, nous-mêmes attaquer autorité locale. Et nous comptons qui ça qui ont cyclone et qui ça qui ont désastre, qui ça qui ont risque. Si tout nous même attaquer autorité locale et nous prenons des vents pour que nous capables sensibiliser la population et former yo et des cyclones dans la qui vont arriver là et nous faire travail par nous en tant qu'autorité locale. Je pense que le gouvernement central là lui-même libéral rejoindre nous tout pour que les viennent supporter nous et viennent orienter nous tout de façon que pour que nous capables bien plus moyen et puis des vents pour nous capables aider la section par nous à travers ces clones là. Nous travaillons de concert avec Kazek, avec Azek. Donc Kazek a invité nous, a invité la mairie. Donc c'était un contentement pour nous de là. Parce qu'en pile fois, nous comprenons que les cyclones sont jouets liés. Parce que l'autre dit que les cyclones, parce que l'année dernière, nous prenons exemple, il y a deux côtés qui viennent nous déplacer, ils ne peuvent pas les déplacer. C'est-à-dire que l'année ça,
Kazek, Azek, délégué avec la mairie, nous allons prendre des dispositions depuis avant cyclone de même commencer. Parce que Anissa, nous pas le jouer à mon. Nous pas le faire choc avec eux, nous pas le jouer avec eux. Parce que là, nous nous déplacer pour attendre nous. Qui est dans la communauté qui a aimé comme qui mourir? En tant que maire, trois circonscriptions. Pendant que nous avons des problèmes, nous entendons nous. Parce que là, nous nous déplacer pour attendre nous. Parce qu'il faut entendre la raison. Parce que lundi, on déplace, c'est parce que nous aimons. Parce que si nous ne sommes pas très bien, nous avons quitté. Mais comme nous-mêmes, nous l'avons protégé, vie avec bien, lundi, on déplace, il faut entendre nous. Exactement. Bien content de participer dans la sensibilisation. Ça, parce que pour nous, nous comprendre exactement, les autorités parlent avec nous, les voisins parlent avec nous, quel que soit le monde qui parle avec nous, déplacer pour déplacer. Parce que si nous aimons, nous allons survivre. Responsabilité pouvoir, supposé partager. Nous-mêmes, c'est mairie de Port-au-Prince et principalement, on c'est maire adjoint. Et qui principale mission est la mairie dans le cadre et on dit déploiement pour saison cyclonique et tout ça. Bon, nous commençons déjà. Parce que nous commençons déjà. Nous avons protection civile mairie qui travaille d'arrache-pied. Et nous travaillons en pile d'eau avec Kazek avec eux. Parce que déploiement, parce que ce n'est pas un jour barre à l'arrivée pour nous préparer. Parce que c'est un plus fois arrivé. C'est le mal est arrivé, mon abdi, si nous déconnons. Parce que nous-mêmes, la mairie, nous commençons 6 mois déjà, nous commençons à prendre des dispositions parce que nous avons protégé mon nous. Parce que nous sensibiliser aux gens, ça qu'a fait là, nous marcher, nous faire portable avec eux. Donc pour nous expliquer, pour nous comprendre exactement qui ça peut le passer. Et ce n'est pas le peut le passer. Pour nous dire ça, parce que depuis que nous avons commencé à parler avec vous, faire comprendre exactement ce qui peut passer là, pour que vous attendiez de nous parler avec vous. C'est le moment que le bureau Kazek a choisi pour le faire sensibilisation, pour mettre la communauté au courant que la saison cyclone là, l'arrivée pendant la saison cyclone, c'est préparé pour vous préparer. C'est vrai que nous connaissons la communauté, nous n'avons pas trop informé. C'est dans l'optique que je dis à nous mettre ensemble avec l'équipe d'intervention communautaire qui c'est EICO qui là je dis qu'a fait séance de formation ça côté monde qui là yo pour la communauté yo pour y divulguer message là son message ou connaît pour sensibiliser population faut gagne monde qui formé nous gagne équipe d'intervention communautaire qui dans section communale yo qui vient là vient dans communauté a nous prend organisation de base yo nous prend notable yo nous Théo Chita, on a fait sensibilisation pour eux, on a baillé aux informations, ils ont même de mes dieux, ils ont pas souterrain, ils ont pas divulgué information que nous baillons. Nous connaissons que section Turjoa, son section Caris, qui placée dans mon hôpital. Nous connaissons pendant la saison pluvieuse, ça qui est passé parce que nous avons fait intervention sur ça, nous avons parlé, nous avons connu dans Ravino Chat, il y a un glissement de terrain, il y a des gens qui sont morts. C'est la raison ça qui fait nous accentuer. Pendant la saison cyclonique, là, c'est le ça. Nous faisons sensibilisation, pour nous bailler information pour nous préparer. C'est le réseau ça qui fait nous là aujourd'hui, accompagné de l'équipe ça. Nous connaissons la zone canapé vers son zone qui est très à risque. Et est-ce que nous connaissons combien de monde dans la localité ça qui est capable de passer? Une activité ça. Nous on connaît 6e section hein, grand. Si nous prenons tiers dans section 6e section hein, c'est en pile monde. Et notre travail là sous nous n'a pas administré un tiers parce que Jean Carte l'a présenté à Jean délimitation présenté à si n'a parlé de 6e section, nous même Kazek sans moyens, sans personnel, nous pas jamais qu'à faire rien. Nous prenons partie d'administrer, nous prenons un représentant d'organisation dans chaque localité, nous prenons un notable dans chaque localité, on fait pour nos cas, quoi que nous touchions chaque petite zone. Là, nous avons supposé gagner environ 150 à 250 monde. C'est comme ça que nous avons fait intervalle là pour nous gagner. Et puis, demain, si Dieu veut, pour nous faire un souterrain, nous avons information que nous avons aujourd'hui. Parce que nous avons constaté que le cyclone peut arriver pendant la saison pluvieuse, ça qui est passé. Imaginons tout de suite là, nous dans la saison cyclonique, tout de suite là, un cyclone arrivé. Ils n'ont pas informé, ils n'ont pas connu qui conduit à tenir, ils n'ont pas connu le système d'alerte. Imaginons qui ça a produit. C'est ce moment ça a nous choisi pour nous montrer là où est le drapeau monté dans la communauté. Nous allons placer des drapeaux dans la communauté. Là où est le drapeau rouge monté, qui ça veut dire. Là où est le drapeau jaune abrico monté, qui ça veut dire. Ensemble avec la protection civile, nous allons mettre ensemble pour faire communication au passé, pour nous bien informer la population, pour ça qu'on arrive ou pas arriver là. Kazek, là-bas, ensemble des détails. L'essentiel, nous prenons qui
qui c'est cyclone. Mais là, pour une zone canapé vert là, zone et section de Joa, nous sommes une zone qui est très à risque. Tout en temps de gagner accident dans la zone, et incendie à travers tout le pays. L'autre aller, nous allons regarder comment nous allons aborder. L'essentiel, ça que nous faire là, la fête là, c'est former la population. Nous prenons tête de port, responsable organisation, m'embellissez, nous former pour aller répliquer des messieurs de vous faire porte à porte. Avec des flyers dans mes des dépliants, côté pour expliquer mon nom, parce que sensibilisation, c'est une répétition qui est liée. Par le fait que vous avez chaque jour, qui tendez lié. L'autre aspect pour déplacement, comportement mon au niveau Abuya, avec la Zouli, il y a un objectif gouvernement dans tout genre d'activité, ça, c'est zéro mort. Le premier, ça me fait, c'est pour nous sauver vieux. Après, nous mettons côté pour nous, deuxième aspect, nous pouvons faire appel avec d'autres partenaires qui ont des produits alimentaires, qui ont d'autres kits, pour nous être capables de poser des réponses. Mais premier pas, ce n'est pas sans raison que nous venons là, c'est le représentant du ministère intérieur, c'est le direction de protection civile, c'est toute l'équipe là qui campe, pour nous capables de voir dans le cadre de réponse, si nous avons une réponse qui est favorable. Nous connaissons dans le cadre de protection civile, il y a des couleurs qui parlent souvent et ils mettent juste pour capable alerter la population, mais ils ne connaissent pas qui ça là pour faire. Par exemple, des couleurs rouge, jaune, orange, je ne connais. Est-ce qu'on est capable de parler nous qui principale couleur qu'on gagne et qui ça vous fait? Ok, dans le cas de détails, on va se passer là tout à l'heure et on va le rouge en général, on connaît, qui veut dire les bagages graves, et puis couleur orange, couleur jaune, on va prendre différents types d'alerte et puis ça vous voulez dire, détail qui vous voulez dire. Mais l'essentiel, nous venons dans la partie qui pipite dans la population, quand nous sommes et où la section communale, c'est l'autorité qui pipite dans la structure étatique là. C'est pas sans raison. Si nous commençons là, dans la section communale toujours, et c'est sûr et certain, le magistrat a plusieurs sections communales sur contenu. Et le ministère intérieur qui est toute collectivité là, nous accompagnons la population, tous les côtés jeunes qu'on a habitué à faire, qui c'est l'autre commune de l'épidémie, qui c'est le problème qui est d'autres aléas, qui c'est le problème qui est aléa qui fait venir, l'on parle des orages, l'on parle des migrations. Dans plus l'autre commune qui est des des aléas divers. Mais l'essentiel, nous là, c'est pour nous sensibiliser les gens. Travail a commencé là. Et je remercie ni Katel et Kazek là, et ni Maïstra physiquement qui est là. Au contraire, Maïstra, c'est papa commune qui est lié. De façon pour nous capable de plus de légitimité, pour nous capable de plus de confiance devant la population. Légalement, c'est une entreprise à but non lucratif qui est là pour capable permettre que technologie et nouvelles technologies de l'information et de la communication soient intégrées dans chaque grande école dans le pays d'Haïti. Donc, c'est mission par nous ça. Mais ça nous connaît, c'est que mission ça que nous gagnons, nous pas capable d'accomplir pour compte nous. Et nous sûrs de ça. Donc, tout acteur dans le système, il a un rôle pour jouer. Et c'est là nous tout ensemble pour nous jouer, c'est là ça n'a capable intégrer dans l'école. Il y a un pile raison qui fait nous voulons faire ça. Et une raison c'est que reste monde lancer ça la fait. On pas va être nous mentir. Nous en 2018 et y a un petit monde qui dans un autre pays qui puis avancer, petit monde ça li gagné, y a un processus qui suivre là dans depuis le tout petit qui veut que petit monde ça li connaît comment l'utiliser ordinateur. Utiliser technologie au même pour le capable apprendre plus bien, donc pour enseignement capable plus efficace. Et tout si mon nan, li gen possibilité s'il veut apprendre coder, l'apprendre coder, etc. Gen des métiers qui disponibles pour si mon ça. Et à un certain niveau, les si mon ça gen 18 à 20 ans, li prêt pour l'entrer dans le marché du travail, si mon ça li prêt. Mais nous gen si mon ici en Haïti, et bon me dit que exemple ça me saute bail là il fait en Haïti tout donc nous pas complètement à zéro mais ça qui gagne c'est que gagne un fossé
Donc il y a des gens qui ont expérience ça à côté yo même yo paré tout bon pour demain, mais nous avons l'autre groupe de monde qui pas gain opportunité ça. Ça fait nous parler d'un fossé technologique qui existait que nous même nous voulons combler. Ça veut dire si monde qui pas gain possibilité ça yo, nous voulons que yo même tout yo capable gain toute possibilité ça yo pour que demain yo capable parer tout même gens l'autre si monde qui gain possibilité yo pour que yo, tout ensemble yo capable contribuer pour avenir en pays d'Haïti. Parce que j'aime te dire le matin, c'est nous tous ensemble qui sommes capables de faire que le pays est capable d'avancer. Et c'est dans le monde pour nous investir d'abord, avant de nous investir dans l'autre dossier, les chaque monde même yo bien formé, yo prêt pour demain, et bien là, le pays lui-même est capable d'avancer. Donc c'est l'importance et plus ou moins aspect développement pour que la vision soit capable de venir en réalité. Bien que nous-mêmes nous prenons vision à cœur, nous disons n'a fait le vivre en réalité. Et mais tout le monde, j'en ai fait le jeudi et Stéphane va parler de sommet à dans un moment. Nous voulons que tout le monde ensemble, nous mettons nous ensemble pour que nous soyons capables de faire vision ça vivre en réalité. Donc entreprise l'été créée par moi-même, Mordo Chérivet, et puis nous avons deux autres cofondateurs, Collins Fièvre et Jonathan Fleurimont. Mais je ne jeudi nous gagnons monde États-Unis et en Haïti, et l'autre côté a rejoindre nous tous au fur et à mesure, haïtiens qui sentent concernés par ça qu'a fait là et qui décident que yo même y a porté contribution par. Il y a des gens qui voyagent spécialement pour sommet là, et nous tous ensemble nous voulons faire que vision ça capable venir en réalité. Bon procès, mais qu'on y a là qui gens que nous ouais que nous t'es caractérisé ça, c'est que nous réaliser que il y a un pile monde qui pas réalisé un Haïti, mais parlant de n'importe qui, nous voulons collaborer avec les différents acteurs dans le système éducatif haïtien et à l'étranger, de sorte que tout leader ça yo, avec expérience qui a gagné dans le domaine ça, yo capable vin partager. Et c'est ça qui fait que nous invitons plusieurs directeurs de l'école avec professeurs à travers le pays, ensemble avec élèves, pour vin connaître mais qui différentes ressources qui disponibles dans nous et pour nous parler de qui difficulté qui gagne, qui gagne infrastructure et qui gagne nous collaborer, de sorte que nous ca vin avec des solutions techniques qui ca résoudre problème ça et capable aider nous non seulement gagner une meilleure gestion administration mais aussi élever qualité éducation. Donc si nous dans programme là, docteur a dit nous gagner bail pour professeur, c'est-à-dire développement, nous gagner bail pour directeur, c'est-à-dire différents outils qui disponibles, c'est ça qui fait que tout le monde qui dans marché a yo là, il y a bien pour faire présentation et nous même collaborer tout avec des jeunes professionnels qui déjà a fait des bails qui intéressant que c'est des applications Android ou bien iPhone ou bien des applications en ligne que créer côté que nous avons fait exposition de sorte que même l'école mais tout le monde qui a une organisation qui voulait supporter l'initiative là il y a exactement qui ça qui fait mais maintenant tout nous avons un bout de timonio, c'est-à-dire timon qui voulait apprendre coder, timon qui intéressé à probablement faire maîtrise à l'étranger de sorte que Kevin a parlé avec timon qui était étudié là-bas qui retournait et qui a eu l'opportunité pour faire des bails qui très belles de ce que vous attendez de l'expérience. Mais mission sommet, c'est ça, c'est informer, partager, collaborer. Informer, c'est-à-dire que nous invitons tous les parents, élèves, étudiants, directeurs de l'école, informer de différentes opportunités, capables de comprendre qui différentes difficultés que vous avez dans journalier et qu'on y a la partager, c'est-à-dire partager de sorte que comme si moi quand connais qui ça et on l'autre leader à faire un niveau et collaborer parce que nous pas venir là pour nous travailler pour nous venir là pour nous encourager collaboration parce que nous voulons que nous sortir dans la modalité traditionnelle là, de sorte que nous apprenons collaborer plus et nous apprenons qu'on est qui ça une autre affaire de sorte que nous capions efficace dans la mission nous.